Bienvenue à vous, content de vous retrouver. Quelque chose me dit que ce ne sera pas le numéro le plus populaire de mes funestes Fred. Qu'importe. Je tenais à vous parler des 30 ans d'un livre. Un livre de mon compatriote Feu Ludo Martens. Je ne l'ai pas connu, je ne l'ai jamais rencontré. Il nous a quittés en 2011. Trop tôt, beaucoup trop tôt. Il avait dans la cinquantaine, pas tellement plus que moi, Ludo. Et le titre de son livre, Un autre regard sur Staline. Ça ne me poserait pas de problème. À vrai dire, je prendrais ça davantage qu'autre chose, comme un compliment, de me voir au bout d'un moment, par les temps où nous sommes, de me voir, moi, traité de stalinien. En revanche, je ne me sens pas du tout l'ombre de ce qu'on appellerait un stalinomane. Et là, je n'ai rien à voir avec ces jeunes excités, ces jeunes énergumènes que l'on peut croiser sur des RS ou partout où il leur est donné de venir s'exprimer, sévir, se masturber matin, midi et soir, des fois, oui, se masturber en malades sexuels, je crois bien qu'ils sont sur des victoires, des batailles de la Seconde Guerre mondiale, que le nom de ces victoires commence ou non par celui de Staline. Des victoires, des batailles où, à ma connaissance, nos jeunes énergumènes n'étaient pas et où ils ne seront jamais. Et c'est, oui, histoire d'évoquer quelques instants le plus arrangé de tous auxquels j'aurais pu avoir affaire, c'est qu'il faut en tenir une couche, à mon avis. Pour reprendre pour pseudonyme sur la toile, sur Internet, pour pseudonyme d'adopter le diminutif que la maman de Staline était la seule au monde, de façon tout à fait naturelle et légitime, à employer et à pouvoir employer à son adresse. Il faut en tenir une sacrée couche et quelque part être un malade. Oui, et je n'hésite pas à le dire, un malade sexuel. Mais laissons ceci. Et de même que d'ouverture de notre numéro autour de Mao, du cahier de l'Erne de Mao, d'ouverture, je vous avais dit que je n'étais pas venu me prononcer dans l'ensemble pro ou anti-Mao. J'aurais aimé dire la même chose aujourd'hui, mais je sais bien qu'au bout d'un moment, comme la fois avec Mao, dans ce numéro-ci, aussi au bout d'un moment, on va m'accuser de parti pris. C'est que j'ai beaucoup de mal de me faire à l'idée de quelque objectivité absolue en matière d'histoire, de sciences historiques, si vous voulez. Et c'est que du temps de ma jeunesse, c'est qu'on me les a tout de même pas mal cassés avec ça, avec cette nécessité, alors que ça durait déjà, mine de rien, ça faisait 40 ans que ça durait, cette nécessité de faire la lumière sur les années dites du stalinisme. Et c'est que moi aussi, partant, j'ai dû les casser à quelques-uns d'entre vous. J'espère qu'après tout ce temps, vous me pardonnerez et que je n'ai pas abusé tout de même. Alors, c'est que lorsqu'il paraît à la rentrée de 1993, il débarque au rayon département Histoire contemporaine, le livre de Ludo. J'ai alors 21 ans et son livre, je vais mettre tout de même quelques années avant d'en attaquer la lecture. Sur le sujet, il m'a été donné d'en lire assez bien. Oui, pas mal. Mais le Ludo, j'ai un peu attendu.
noté qu'entre-temps, on m'en avait pas mal parlé, avec des échos assez variés. Et je vous en ai déjà touché un mot. Sur YouTube, une fois, je vous avais dit que j'avais la sensation, le nombre d'années où nous étions alors, après parution en 93, que tous les historiens qui, après lui, en étaient venus à traiter ce sujet, je n'avais pas le sentiment qu'ils avaient apporté grand-chose de nouveau sur le plan des conclusions d'ensemble, si pas sur le plan informatif. C'est vrai qu'aujourd'hui, si l'on s'efforce, je dis bien si l'on s'efforce de départager ce que j'appelle un délire systématique, idéologique, apocalyptique de ce que j'appellerais encore une histoire sérieuse, la volonté, tout du moins, d'aller dans le sens d'une histoire sérieuse. Plus sérieuse, il faut bien nous faire à l'idée que déjà le nombre d'exécutions sur le territoire de l'Union soviétique, sur l'ensemble de son existence, s'est avéré avoir été de 66 à 70 fois moindre que claironné partout dans les médias, dans l'éducation, que claironné un peu partout à un moment. Il y eut aussi le fétichisme du goulag, j'y reviens, je pourrais aussi, et je me contenterai de ce seul cas de figure, en guise de dictature anticommuniste d'extrême droite, la seule dictature anticommuniste et fière de l'être d'extrême droite indonésienne, en 1965-66, en l'espace de moins de 2 ans, et peut-être même rien que sur la seule année 1965, aura liquidé autant de vies humaines que l'Union soviétique, là encore, sur l'ensemble de son parcours, sur son propre territoire, sur sa propre po population, en l'espace probablement de moins de 2 ans sur le territoire de l'Indonésie. Le fétichisme du goulag, oui, qui s'est considérablement accru à partir des années 70. On sait depuis un bon moment pourtant, là aussi, le goulag, administration pénitentiaire, qui avait pris la relève de celle du temps des tsars. Ça faisait un bon moment qu'on déportait une bonne partie, qu'on éloignait une bonne partie de la population carcérale russe ou du sol de l'Empire, plutôt vers la Sibérie, vers le nord. Et tout ce fétichisme, alors même qu'on sait aujourd'hui que cette administration pénitentiaire soviétique, outre le fait qu'on y trouvait tout de même 75% de détenus de droit commun avec un turnover considérable, entendez que déjà, ces camps n'ont jamais été destinés à la base, et je ne suis pas en train de. Je ne suis ni en train de prétendre que c'était des Club Med, ni de prétendre que il en fut à n'en jamais revenir, mais on est bien obligé de reconnaître que le terme camp d'extermination est tout à fait inapproprié à la base dans ce contexte. Il y avait un turnover énorme, ce qui signifie qu'avant votre libération, en général, vous y restiez la plupart du temps, on y séjournait un an ou deux, au goulag. Et suite à des révélations du département d'État américain et de la CIA, outre le fait là que
Le goulag, au maximum de son expansion, ne dépassa jamais et fort péniblement que, à tout casser, que d'un demi, un petit demi-million de détenus. Hein, la population, l'ensemble de la population carcérale américaine actuelle, le goulag ne la dépassa au maximum de son règne, de son expansion, tout ce que vous voulez, le goulag ne dépassa jamais de plus d'un petit demi-million de détenus. La population carcérale qui est toujours celle des États-Unis d'Amérique, eh bien, suite à des révélations plus récentes, là, il est vrai, du département d'État américain, on sait que les conditions de détention, les conditions de vie et l'espérance de vie y étaient supérieures au goulag, à ce qui régnait là encore dans le système carcéral américain. On pourrait encore joindre d'autres éléments, mais ça me semble pas mal. Des éléments tels que vous les trouverez mentionnés dans un ouvrage plus récent que celui de Ludo, l'ouvrage édité aux éditions Delga, qui avait pour thème pourquoi la population ne s'était pas soulevée du temps de Staline, l'ouvrage du professeur Zemskov, qui pour sa part nous a quittés aux environs de 2015, les références, toutes les références des bouquins en description. C'est le type d'éléments qu'on peut trouver dans un livre comme celui du professeur Zemskov, et ça m'amuse beaucoup lorsque je lui fais un peu de réclame au Zemskov sur Facebook, par exemple, et que l'on vient en faisant son spirituel, hein, inévitable. Oui, en faisant son spirituel qu'on vient mettre en dessous comme ça, voilà la cohorte des négationnistes du stalinisme bat son plein. Alors qu'il s'agit que nous avons affaire dans le chef de Zemskov à un historien qui ne s'est jamais fait connaître ni comme marxiste ni comme communiste. Je pense même qu'il était assez anticommuniste, carrément, pour sa part, Zemskov. Mais voilà, Zemskov a toujours exercé son métier, fait partie de ceux qui se sont toujours efforcés d'exercer sérieusement, du mieux qu'il leur pouvait, leur métier par rapport à leurs recherches, à leurs travaux sur base de documents d'archives. Et on est tenu de se dire que lorsque parut en 1993, nous étions 4 ans après la chute du mur de Berlin, ça faisait un petit moment, en 91, je pense, que les archives de l'Union soviétique avait été ouverte, rendue accessible, et on pouvait estimer qu'un livre comme celui de Ludo ne relevait pas, comme on l'a entendu assez bien, d'une aberration, hein, ou de l'ouvrage d'un dinosaure communiste, mais plutôt d'un livre qui s'efforçait de la jouer un peu plus équilibrée, de se rapprocher un peu plus de la vérité, là aussi. Mais ce qui s'est passé, voyez-vous, et je tenais à remettre le livre de Ludo en perspective par rapport à l'époque, au contexte de l'époque où il a été publié et à la lumière des 30 années qui viennent de s'écouler. On aurait pu penser que dans les années 90, dans le même ordre d'idées qui aurait fait percevoir par, oui, la majorité des commentateurs qui auraient fait percevoir, comme je l'ai dit, hein, comme davantage équilibré le livre de Ludo, on aurait pu penser que ça irait plutôt dans ce sens-là, les années 90, et voilà que
pour des raisons tout de même idéologiques, des intérêts que je ne vais pas vous faire l'offense de prétendre que vous ne serez pas en mesure de les saisir très rapidement, de voir très rapidement où ils pouvaient résider, ces intérêts, où elles pouvaient résider, ces motivations. Oui, on s'est rendu compte que, eh bien, à l'inverse, c'est plutôt pour ce qui était de prendre le contrôle de la doxa académique en matière d'historiographie, eh bien, ce sont davantage les paramètres oui, les paramètres de ceux que j'appelle perso les apocalyptiques de l'histoire du communisme qui ont pris, et plus que jamais dans les années 90, le dessus. Je désigne par les apocalyptiques, je n'ai pas envie d'employer le terme intellectuel, je dirais des auteurs russes ou pas nécessairement, soviétiques ou pas nécessairement, qu'ils se soient fait connaître ensuite comme pro-Poutine ou plutôt pro-occidentaux, ou pas, hein, qu'ils aient à un moment émigré, qu'ils soient à un moment passés à l'ouest, ou pas. Hein, ces apocalyptiques, par-delà les divergences qu'on pouvait de divers ordres philosophiques, religieux ou autres, par-delà les divergences qu'on pouvait rencontrer chez ces apocalyptiques de l'histoire du communisme, du marxisme, comme je les appelle, qui avaient en commun, de façon obsessionnelle, je dis apocalyptique, eh bien oui, une pareille version, une version apocalypse pour ce qui était d'envisager les choses et partant avec des données, des chiffres, des comptabilités morbides absolument ahurissantes. Et dites-vous bien maintenant qu'à partir du début des années 90, toujours, dans l'Est européen, si pas les personnes qui avaient directement collaboré avec le Troisième Reich, leurs descendants, petits-enfants, enfants, les personnes qui avaient de manière active, on ne peut plus active, à l'Est, collaborer avec le Troisième Reich, ont pu, à partir d'un moment, récupérer nombre d'avantages, de positions, de privilèges. Et il faut entendre aussi, dans bien des contextes, dans bien des cas, le contrôle de la culture et de sa diffusion, de la superstructure, et partant, le contrôle de l'histoire et de sa diffusion, de l'historiographie. Et il n'a pas été très difficile, sinon, de continuer à colporter des chiffres aberrants tels qu'on les comportait déjà dans les années 70 et avant, ultérieurement aussi, j'ai envie de dire. Hein, sinon, de continuer à colporter des chiffres qui avaient été déjà propagés et qui le sont toujours au quotidien par, il faut bien se le dire, par des millions, des dizaines de millions de canaux, eh bien, à partir du moment où vous repreniez le contrôle de l'historiographie, sa diffusion, ça n'a pas été très difficile de multiplier par 10, 20, 30, 40, au besoin 50, 60, 70, 110, 200, et top, on arrêtera là. Oui, 200 millions de morts. Multiplier jusqu'à 200 le nombre de victimes faites par les perdants de la Cold War, de la guerre froide, ça n'a pas été très dur.
Et oui, je parlais du monde où nous sommes, au regard de ce contexte d'actualité internationale de ces dernières années et de conflits russo-ukrainiens. C'est moins âpre, moins difficile que jamais pour cette doxa inspirée des apocalyptiques, c'est moins difficile, moins âpre que jamais pour elle de s'imposer dans le mainstream. D'autant que elle est assez. Le pas, il est très facile à franchir de l'anticommunisme radical à la russophobie la plus obsessionnelle, la russophobie des plus extrêmes. J'ai déjà employé et plusieurs fois ce terme d'apocalyptique et j'ai fait l'acquisition il n'y a pas longtemps comme ça d'un livre. Je le trouve absolument hilarant. C'est vrai qu'il m'a apporté en matière d'information, de philo, de théologie, quelques informations, mais pour ce qui est de sa partie doctrinale, franchement, si vous êtes branché sur les histoires de Russie et si vous avez envie de vraiment de vous payer une pinte de bon sang, eh bien oui, c'est franchement, on ne peut plus hilarant. Le livre L'Apocalypse russe. Entendez que si Dostoïevski, en son temps, lui, il attendait, il disait qu'il attendait l'Apocalypse, de la même manière que Gorki, il aspirait au socialisme, il attendait l'avènement du socialisme. Gorki est déjà, on va se dire qu'on va tout mettre dans le même sac, ce sera plus facile. Et si il disait Dostoïevski, s'il parlait de l'Apocalypse, s'il disait qu'il attendait l'Apocalypse, il faut entendre que la Russie sera fatalement le pays d'où viendra, d'où il viendra, le feu de l'Apocalypse. Et s'il s'avère un jour que je me suis gouré, que je me suis trompé, si je suis toujours en mesure, bien sûr, de pouvoir venir le faire, à ce moment-là, je m'amenderai. Mais en attendant, je continue à trouver des plus hilarants un livre comme celui-ci. L'Apocalypse russe, si je vous dis le nom de l'auteur, ça vous dira peut-être beaucoup de choses, hein. Jean-François Colosimo. Oui, je suis désolé pour Ludo de montrer un ouvrage aux conclusions aussi contestables, aussi débiles dans le numéro où je tenais à évoquer les 30 ans de son livre à lui. Pardonne-moi peut-être, Ludo, si jamais tu m'entends. Hein. Mais oui, c'est franchement. Bon, je pense qu'on a fait le tour, tout ça pour. Donc, vous avez compris, hein, pour ce qui est. Je voulais, mon but initialement, vous me qualifier comme vous avez envie de me qualifier, peu importe, et peu me chaud sur le coup, oui, mais ce que je voulais initialement, c'était essayer peut-être de jauger, de se faire une idée du degré, pardonnez-moi, de couille, d'audace que pouvait avoir un livre comme celui de Ludo à l'époque où il fut publié, en 1993. En 2023, je viens de dire il y a quelques instants où nous en sommes par rapport à la doxa, par rapport au mainstream. Mais ça en étonnera peut-être quelques-unes, quelques-uns parmi vous, parmi les plus jeunes, allez savoir. Je peux vous assurer que dans les années 90, c'était encore assez différent. Nous arrivions encore par-delà nos divergences d'idées à nous écouter, nous entendre. Et
C'est la raison pour laquelle je n'insiste pas même, oui, je n'insisterai pas même sur le fait qu'il y en avait alors beaucoup parmi nous qui se refusaient de façon on ne peut plus catégorique, comment dirions-nous, de jeter le bébé du communisme, du marxisme, du socialisme avec l'eau du bain. Du soviétisme, du régime soviétique, on va dire ça, rien que ça, je me souviens qu'à cette époque, hein, il y en avait encore beaucoup qui se refusaient, ne serait-ce que ça, à jouer à ça, oui, à s'adonner à ce petit jeu. Il y en a beaucoup qui se refusaient au bout d'un moment. Et je pense, ce qui peut expliquer, et là, pour ne pas vous mentir, l'accueil, ce fut relatif, bien sûr, mais l'accueil assez largement positif, favorable, qui fut fait au livre de mon camarade Ludo. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré, édité chez EPO fin 93. La couverture de l'édition avec le texte français n'était pas la plus heureuse. Je préfère de loin l'édition en langue allemande où l'on avait repris cette photo du jeune Staline souriant avec sa cigarette. Une photo très connue, très cinématographique du jeune Staline, comme on en voit assez peu, voilà, détendu et souriant comme on en voit peu. Et la couverture chez EPO en langue française, c'était ça. Et d'autant plus quand on sait qu'il nous a quittés depuis l'auteur, j'ai toujours un petit pincement nostalgique au cœur quand je vois en bas de la dernière page de texte, avant de passer aux annotations et aux sources, qui était en ce qui concerne pour 1993, pour Ludo. Pour une bonne part des sources venant du monde anglo-saxon. Songez, histoire d'établir un parallèle au colonel Jacques Beau, hein, et à ses livres, lorsqu'il nous dit qu'il se base pour traiter du conflit russo-ukrainien avant tout sur des sources anglo-saxonnes et par conséquent sur des sources occidentales pour approcher au mieux de la vérité, eh bien, elles étaient anglo-américaines la plupart du temps. Je suis allé vérifier ces sources à Ludo. Et c'est vrai que il me semble qu'il y avait, jusqu'alors, il y avait eu bon nombre de très bons historiens anglo-saxons à s'exprimer sur l'histoire russe en général. Et pas seulement soviétique, et puis bon, ne nous faisons pas plus naïfs que nous ne le sommes. Je pense que ces anglo-saxons, par le biais de l'histoire, de la guerre froide, de leur service de renseignement, ben, tout compte fait, ils étaient bien placés pour savoir ce qu'il en avait été précisément sur le terrain, hein, sur le plan des comptabilités, etc. Si vous voulez mon avis là-dessus, eh bien oui, mon petit pincement nostalgique au cœur, quand je vous parlais d'essayer d'évaluer la part d'audace de Ludo en 1993, donc j'ai essayé de vous expliquer que c'était une époque où franchement, il fallait un certain courage pour écrire un livre comme Un autre regard sur Staline, le titre déjà. Mais bon, il y avait encore une possibilité de discuter qui, dans le mainstream, a totalement disparu. Aujourd'hui, il faut se rabattre sur des éditeurs ou, par extension, des canaux de diffusion plus particuliers. Et Ludo, donc, pour ce qui est de jauger, et pardonnez-moi, de toute manière, je ne le ressortirai pas une fois plus qu'il ne faut.
hein, ce terme anatomique quelque part dans l'entrejambe du sexe mâle. Il avait mis son numéro de téléphone et son adresse. Oui, il y avait son texte qui se terminait par cette phrase, car l'immense majorité de l'humanité vit aujourd'hui dans les souffrances et elle ne peut s'en affranchir qu'en suivant la voie, une voie indiquée par Staline, comme ce fut le cas, dirais-je, par Staline et avec son aide, voilà, sur une voie similaire. Et il avait mis, je commente, tout simplement, il avait mis son adresse, boulevard Lemonnier 171, téléphone, si vous appeliez de l'étranger, le 32 pour la Belgique, 02 préfixe de Bruxelles, 513 54 83. Je n'ai absolument aucune idée si on fait ce numéro, n'essayez pas et surtout, n'allez pas faire de plaisanteries morbides, surtout pas. Je n'ai aucune idée de ce sur quoi on pourrait bien tomber de nos jours. N'essayez pas, perso, je ne le ferai pas. Hein? Non, n'essayez pas, ce n'est pas une bonne idée, mais c'est pour vous dire que oui, il en fallait tout de même. Tous les auteurs, et surtout à traiter de thèmes qui peuvent être à ce point sujets à polémique, c'est clair que tous ne le font pas. S'il était critique, lui, par rapport à Staline, ben écoutez, vous irez le lire, le bouquin, on le trouve assez facilement en occasion au bout de 30 ans. Et, ce sont des exemplaires assez usagés, ce qui laisse indiquer qu'il a été lu tout de même avec beaucoup d'attention, avec beaucoup d'intérêt. C'est oui, on l'a plutôt dévoré au vu de l'état de ses exemplaires, son bouquin à Ludo. S'il pouvait être critique aussi à l'adresse de Staline, ben oui, pardi, déjà, on ne va pas aller très loin, mais lorsqu'il évoque la période des plans quinquennaux, des premiers plans quinquennaux, la phase de l'industrialisation, des vertiges du succès, hein, voilà, où nous réussirons, où nous serons broyés. C'est clair qu'en l'espace d'une demi-décade, nous allons dire de 1930 à 1935-36, ben, vous avez vu là-bas votre traitement chuter au moins de 40% en moyenne. Hein. Ça ne s'est pas fait sans mal, certainement pas. En revanche, lorsqu'il traite de la phase de la collectivisation, tout en reconnaissant qu'elle a pu être jalonnée dans la pratique, dans l'application, jalonnée de véritables calamités, et s'il a provoqué pour de vrai des catastrophes, des choses qui n'étaient pas à imiter, qui dans l'absolu n'étaient pas à reproduire, eh bien, il revient sur, oui, pourquoi il y a eu une révolution à un moment dans ce pays, en Russie, et il nous dresse, entre autres, il énumère les grandes famines que ce pays a connues. À l'époque de l'Ancien Régime, à l'époque tsariste, il évoque la récurrence de ces grandes famines jusqu'en 1891. Si vous vous intéressez à la vie de Tolstoï, on se souvient, alors qu'il n'était déjà plus tout jeune, hein, le Léon, la façon dont il s'était activé pour aller sur le terrain combattre la famine, Léon Tolstoï. Voilà, donc une bonne vingtaine d'années avant la Révolution et à peine un peu plus d'une décade avant la première de 1905. Et oui, tout en reconnaissant les erreurs dans la pratique, que ça plaise ou non, en bout de course.
Ben oui, nous sommes bien tenus de reconnaître, et il nous fera remarquer, Ludo Martens, que cette collectivisation, c'est elle qui a mis fin à la récurrence de ces famines. Et là, il faudra la fin du siècle dernier, oui, les années 90 du siècle dernier, avec la thérapie, la dite thérapie de choc néolibérale, pour que l'on assista à une chute comme on n'en avait plus vu. En dehors du temps de guerre, une chute démographique, oui, une chute de la courbe de la natalité. Et de la démographie, oui, il faudra pour ça la stratégie de choc néolibéral des années 90. Je vous dis, hein, voyez-moi comme vous avez envie de me voir, mais encore une fois, le délire apocalyptique systématique et le souci de faire dans une histoire un peu plus sérieuse. Alors, je ne suis pas venu, le numéro que je vais clôturer dans quelques instants n'était pas ma façon à moi de célébrer, de commémorer les 70 ans cette année de Joseph, mais simplement de vous montrer des ouvrages qui ne font pas partie de cette doxa, de ce registre que nous avons appelé académique. Sortant des sentiers battus, je vais vous en montrer quelques autres plus récents, hein, si vous avez tenu le coup avec moi jusqu'ici, si vous n'êtes pas tombé dans les pommes. Alors je vais vous montrer également, il nous a quittés, hélas, lui aussi. C'était en 19, je crois, j'irai vérifier, je le mets en description. Ça fait 3 ou 4 ans qu'il nous a quittés, notre ami Domenico, philosophe et historien. Domenico Losurdo, qui se débrouillait très bien en français. Il disait toujours que son français était pénible et calamiteux, mais c'était un régal de l'écouter en conférence dans notre langue. Et son Staline à lui, sortant des sentiers battus aussi, on va lire ça, c'était plutôt une analyse de la perception des différentes représentations de Staline à travers les âges, en Occident, et pas seulement, de l'évolution des différentes représentations du personnage comme du politique de Staline depuis l'époque où il était à la tête de l'Union soviétique, donc le Stal de Domi. Le Stal de Losurdo qui était sous-titré Histoire et critique d'une légende noire. Voilà. Chez Feu, notre défunt éditeur, c'est bien dommage, notre défunt éditeur belge Aden. C'est Aden qui avait pris l'initiative d'éditer pour la première fois en français en 2011 le Stal de Dominique Losurdo. Alors, je procède plutôt par ordre chronologique. Je vais vous montrer le livre d'une Américaine qui, bon, contrairement à Dominique, à ma connaissance, n'a jamais fait connaître d'étiquette politique particulière, moins encore, ne s'est jamais fait connaître comme marxiste ou s'exprimant d'un point de vue marxiste. Jamais. Il s'agit de Madame Sheila Kirkpatrick, que je prononce mal, ou Sheila Fitzpatrick, dans l'équipe de Staline, de si bons camarades. Peut-être que c'était en partie pour préserver sa carrière dans le milieu socio-professionnel où elle évolue, peut-être, peut-être pas. Mais dans sa préface, Sheila, qui n'en était pas. Oui, ce n'était pas son coup d'essai sur l'Union soviétique qu'elle avait déjà beaucoup analysé du point de vue du social et du sociétal à la fois.
dans ses ouvrages précédents, elle précisait d'entrée que sa question n'avait pas été de savoir si elle avait eu affaire à propos des personnes au centre de son récit, si elle avait eu affaire ou non à ce qu'on pouvait appeler une bande de malfaiteurs ou, si le cœur vous en dit, une bande de gangsters. Ce n'était pas la question qu'elle s'était posée. Elle avait cherché avant tout à analyser les ressorts qui avaient fait que cette équipe, dans l'ensemble, avait plutôt bien, avec des gens qui se connaissaient plutôt bien, avait dans l'ensemble plutôt bien atteint ses objectifs, réussissant à peine ça au passage à abattre le Troisième Reich. Je vous montre la couverture du livre de Shella. Shella Fitzpatrick, la toute première fois, je pense l'avoir dit très mal. Pardon, il me semble, pardon peut-être. Dans l'équipe de Staline, de si bons camarades, c'est un grand volume, jamais paru jusqu'à présent. Allez savoir pourquoi, encore une fois, hein, comme par hasard, ça doit faire au moins 5 ou 6 ans et pas encore d'édition en poche. Et pourtant, c'est Perrin. Et Perrin, bien souvent, quand ça marche, ça sort en petit format chez Tempus. Vous êtes au courant si vous avez l'habitude avec moi. Shella, son livre. Dans l'équipe de Staline, de si bons camarades, Khrouchtchev, oui, il y a Khrouchtchev. Vorochilov, Malenkov, oui, ben en description, voilà, je vérifie en ce qui concerne. Ça fait un petit moment que je l'ai lu celui-là, hein, et je ne suis pas, même avec les. Bon, Stahl, Khrouchtchev tout de même, mais je ne suis pas. Et Molotov aussi avait un physique, il faut bien l'avouer, assez particulier, mais je ne suis pas hyper physionomiste. Je ne suis pas un champion pour ça. Pas un visuel pour ça. Certainement pas. Chez Perrin, j'espère qu'ils vont faire quelque chose, tout de même en petit format. Et si vous voulez quelque chose, on ne peut plus synthé. Oui, le livre de notre ami Émeric, il est on ne peut mieux pour ça, pour ce qui est d'avoir un ouvrage synthétique. Là aussi, vous me connaissez avec mes livres qui sont toujours très bien disposés au début et après, c'est la débandade. L'ouvrage d'Émeric Monville sur quelques bobards de plus est demandé dans Funeste Frette. Pardonnez-moi. Eh ben, je ne le vois pas. C'est pas grave, à moins que. Bon, on fait une petite pause. Pardon, pardon. Et il apparaîtra direct à l'écran. Installe la pipe, ici. S'il n'avait pas fumé, peut-être aurait-il vécu au moins une vingtaine d'années de plus. Et là, vous imaginez ce que vous voulez. Hein, une idée d'Uchronie, comme on appelle ça. Hein, le livre d'Emeric Monville, lui, n'a rien d'une Uchronie. Et pour quelques bobards de plus, est sous-titré Contre-enquête. Contre-enquête sur Staline et l'Union soviétique. C'était l'occasion aussi pour Emeric, qui est, vous le savez, le chef, le responsable en chef des éditions Delga, de faire un peu le point sur toute une série d'ouvrages passionnants qu'il avait eu l'occasion de proposer chez lui jusque-là autour de la Russie et de l'Union soviétique. Si on est bon au niveau du son et dans l'ensemble, on poste ce numéro comme ceci. Le livre Un autre regard sur Staline n'avait pas été le seul livre publié par Ludo, hein, et vous vous renseignerez, allez vous renseigner sur ses autres publications. Je pense qu'il a également écrit sur la politique africaine. C'est très intéressant.
ses autres ouvrages sur l'Afrique, entre autres. Mais si je ne me suis pas exprimé sur sa carrière politique en tant qu'homme politique et sur son parcours politique, c'est parce que j'ai réellement le sentiment que son livre sur Staline, il l'avait écrit en historien, et bien plus en historien que des gens de la profession qui se revendiqueront comme tels et d'une démarche d'historien, comme nous l'avons dit à un moment, se réclamant de la plus sérieuse objectivité. Je pense que vous m'avez compris. C'est la raison pour laquelle j'ai fait le choix de ne pas parler de sa carrière politique. Je voulais rendre hommage à son taf d'historien. Voilà, encore merci pour ton taf précisément et pour tout. Tes travaux, vous trouverez de très belles conférences avec son si touchant accent flamand. Voilà, un hommage du Sud à du Nord. Hein. On ne passe pas notre temps à se taper les uns sur les autres. Vous voyez, chez nous, c'est pas systématiquement, et c'est loin d'être systématiquement le cas. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si ça vous plaît, vous pouvez toujours mettre un pouce, vous abonner. Je ne suis pas astreint à venir sur YouTube pour gagner ma vie. Hein. Mettons que mon loyer, on s'en tiendra là, n'est pas tributaire de ça. J'ai tout un parcours socio-professionnel derrière moi. Hein. J'ai la chance, il est vrai, de ne pas être astreint comme d'autres que je respecte et j'admire, je l'ai déjà dit, de venir ici pour gagner ma vie. Alors, si vous avez envie de piquer votre crise par rapport à tout ce que j'ai dit, franchement, c'est pas la peine et je n'ai pas à vous entretenir, les amis, de ma vie privée, mais d'autant que ces temps-ci, je ne suis absolument pas, mais alors là, absolument pas dispo pour ça. Je n'ai pas du tout l'esprit pour ça, pour vous répondre et pourquoi d'ailleurs perdre votre temps et votre énergie pour. Voilà, pour piquer un phare, comme on dit, sur votre serviteur. Allez, à bientôt. Salut. Et on se retrouve dans moins d'une petite semaine avec du Aragon. Oui, il y aura du Aragon là, mais surtout poétique. Oui, très poétique même. À bientôt, dans moins d'une petite semaine.